présente comme ça devant vous parce que j'ai décidé de faire un test sur cette vidéo avec un mascara que j'ai acheté il y a déjà pas mal de temps chez ma coiffeuse, que j'ai dû payer dans les 40 ou 50 euros, je ne me souviens plus. Et donc c'est la marque HM, Made in Italy. Donc vous avez d'un côté le mascara Effetto Volume, donc qui se présente comme ça. Alors, je ne sais pas si avec la lumière vous voyez. Bon, enfin bon, c'est un mascara, hein, ok, de la marque HM. Et de l'autre côté, vous avez toujours dans la même marque HM les fibres végétales. Voilà, pour allonger les cils et leur donner du volume. Donc ça se présente comme ça. Donc là vous avez les petits filaments qui se trouvent à l'intérieur de ce petit tube. Et eh bien je vais faire évidemment qu'un seul œil, et de façon à ce que vous puissiez voir la différence entre celui qui n'aura pas cet ensemble mascara et celui que je vais utiliser. Et je vous donnerai quand même mon opinion sur ce style de voluminateur. Ok, voilà, alors on est parti. Alors, on commence bien évidemment par la pince. Hein. Ça, c'est surtout que j'ai pas de cils, donc on va commencer par la pince. Voilà. La pince, oh, c'est un recourbe-cils. Oui, bah, écoutez, chacun l'appelle comme il veut. Donc, le recourbe-cils. Et alors, on commence. On commence bien évidemment par appliquer une couche de mascara. Première opération. Ensuite, on vient déposer les filaments. Donc vous voyez, ça se présente de la sorte. C'est une petite brosse sur laquelle se fixent tous les filaments. Donc on attaque. Alors par contre, je souffle un peu dessus, sinon on en prend plein la tronche. Alors je vous laisse constater la différence entre celui que je n'ai pas fait et celui que j'ai fait avec ce mascara et ses filaments. Donc vous voyez, effectivement, il y a une différence. Hein? Je n'ai pas beaucoup de cils et on voit quand même que là, eh bien, les cils donnent l'impression d'être plus fournis, plus longs. Par contre, maintenant, je vous donne mon avis sur ce produit. Personnellement, je ne le conseille pas. Je ne le rachèterai plus jamais. D'abord, avant que je le finisse, je serai peut-être plus là. Hein. Je suis vraiment pas satisfaite du tout de ce mascara. Pourquoi ? Parce que le mascara en lui-même, hein, c'est un mascara, c'est ça qui me dérange. Pourquoi ça me dérange ? Tout simplement parce que déjà, bon, les filaments, à partir du moment où vous les appliquez sur votre mascara, hein, parce qu'on met une couche de mascara, une couche de filament, déjà, ça, vous en mettez partout. Ça encore, c'est pas grave. Par contre, vous vous en mettez dans les yeux. Ça, c'est plus gênant. Deuxièmement, pour arriver à obtenir un résultat satisfaisant, eh bien, vous êtes obligé de mettre plusieurs couches. Et il faut savoir que plus vous allez mettre de couches et plus ça va faire paquet. Alors vous pourrez me dire que même avec n'importe quel mascara, plus on met de couches, plus ça fait paquet. Eh bien je dis non. Non. Ce qui donne cet effet paquet, en fait, ça vient de ces filaments qui, au fur et à mesure que vous mettez de la matière, eh bien ils se détachent. Et je ne sais pas si vous les voyez là, peut-être pas. Mais si j'avais encore insisté, eh bien, à un moment donné, au lieu d'avoir des cils très réguliers,
fait avec un mascara normal, eh bien, j'aurai sur les cils des filaments apparents. Et ça, je trouve ça dégueulasse, quoi. Ça fait pas net, c'est... Voilà. Donc, c'est très cher pour ce que l'on en attend. Hein. Donc, moi, personnellement, voilà, je ne recommande pas ce produit-là, tout simplement parce que, je trouve pas qu'il ait un effet... Je trouve qu'il est plutôt... C'est plutôt contraignant et le résultat n'est pas vraiment top. Alors, je regarde pas en face parce que je ne sais pas où je dois regarder. Quand je regarde là, je sais que j'ai pas l'impression, enfin, vous voyez que je vous regarde pas. Si je regarde là, je sais pas où je dois regarder, en fait, compte. Hein. Bon. Ce n'est pas que je ne regarde pas dans les yeux, parce qu'en général, je regarde dans les yeux, mais quand j'ai quelqu'un en face de moi. Donc, écoutez, j'ai voulu tester devant vous ce super mascara que j'ai payé quand même la peau des fesses, hein, pour une fois. Quand je dis que je ne veux pas mettre cher, eh bien, je vous laisse encore regarder. Vous pouvez donner votre avis en commentaire. Alors, c'est vrai que là, on ne se rend peut-être pas bien compte, hein, on croit que c'est génial. Eh bien, moi, je me dis que ce n'est pas génial. Et puis, ça fait un sacré moment que j'ai un filament dans l'œil. Hein. Alors, ça, c'est chiant, hein. Oh, là, je ne supporte pas. Hein. Et quand vous avez un truc comme ça dans l'œil, vous l'avez pour la journée. Hein. Il faut vous démaquiller pour que ça se barre. Hein. C'est vraiment pénible. Bon, eh bien, écoutez, oui, voilà. Hein. J'espère que mon avis et cette petite vidéo sans et avec vous aura plu. Maintenant, je vais tousser. Je fais ce que je veux, comme d'habitude. Sur ce... Je vais vous laisser, voilà, pour une fois, mais je ne sais pas regarder, hein. Là, je vois, mais c'est affreux, ça, et là, il faudra que je regarde au montage, hein, ce que ça donne, hein. Je ne sais toujours pas, là, peut-être que là, je vous regarde, j'en sais rien, déjà, je ne me vois pas, alors, sans lunettes, hein. En fait, c'est quand même con, cette histoire, attendez, je vais faire un test, ben oui, mais si je regarde là, je ne vois pas non plus, bon, enfin, bref, écoutez, on s'en fout, donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous envoie des tonnes de bisous. Prenez soin de vous. Je vous aime. Et ça, vous le savez déjà. Il fait un temps quand même pourri. J'en ai ras-le-bol. Il pleut tous les jours. Ça va durer tout l'été. Je n'en peux plus. On nous a chouravé le soleil, putain. Mais rendez-le. On veut notre mort ou quoi? Enfin, j'en ai marre de ce temps à la con. C'est fatigant, on n'a plus envie de rien faire. Voilà. Donc, ma vidéo ne va pas être longue pour une fois. C'est pour ça que je reste encore avec vous. J'ai les yeux cernés. Hein. Ah ouais, je suis fatiguée. Mais non, c'est pas la fatigue, c'est l'âge. Attendez, je travaille pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien. Écoutez, si, je vais vous dire abonnez-vous si vous aimez ce que je fais. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Hein. Les pouces rouges aussi, d'ailleurs, parce que c'est des vues aussi. Donc... Les pouces bleus, j'aime bien. Les pouces rouges, je vous aime aussi. Voilà, j'aime tout le monde, hein, à part les cons. Donc, sur ce, allez, cette fois, je me casse. Ciao, ciao, à très, très vite pour une prochaine vidéo. Il y a des toiles d'araignée.